Bonjour et bienvenue à vous. Voici l'interview du jour. Je suis Cédric Cyr, je suis romancier toulousain, auteur à ce jour de 10 romans déjà, qui se classent dans le thriller. En fait, j'écris des histoires qui font peur. J'ai choisi Hellraiser dans le cadre de ma carte blanche en premier parce que, enfin, pour moi, la question ne s'est même pas posée. C'est un film qui m'obsède totalement depuis 35 ans déjà, quasiment, que j'ai vu des centaines de fois, qui a accompagné ma vie, c'est aussi réalisé par un auteur, Clive Barker, qui, j'ai envie de dire, m'a appris à écrire. Quant à Lost Highway, c'est également un film qui a une grande importance dans ma vie. David Lynch, comme Clive Barker, a fait partie des gens qui m'ont donné envie de faire des choses. C'est un roman policier, horrifique à ma manière, qui met en scène une jeune femme en chute libre qui n'arrive plus à trouver sa place dans la société. Je pense que je pourrais en citer plein. En fait, chaque année, il s'est produit des choses. L'incendie de ma chambre d'hôtel un soir, enfin, à Cambrai, c'était à la suite d'une signature, le dimanche matin à 6 h du matin.